Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur un projet SOC utilisant les IP qui se trouvent dans Vivado. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet SOC ? Je vous rappelle que dans une vidéo précédente, on a vu ce qu'était un SOC. Vous pouvez voir un petit lien apparaître pour la vidéo. Donc, un SOC, c'est donc un système on a chip. C'est la réunion d'un ou plusieurs cœurs de processeurs avec une partie logique programmable telle qu'on la trouve dans les FPGA. Donc ici, on va développer un projet très simple. Ce projet, il a la structure matérielle suivante. C'est d'abord la mise en place du processing system. Donc processing system, c'est la partie qui intègre les cœurs ARM dans le Zinc de chez Xilinx. Ce cœur ARM, il peut communiquer avec l'extérieur par l'intermédiaire du bus AXI, qui est un bus synchrone défini par ARM. Et il va communiquer avec la partie logique programmable qui se trouve dans le FPGA, enfin dans le SOC. Donc cette partie logique programmable, Programmable Logic, PL, on va y insérer un module de propriété intellectuelle. Et ici, j'ai choisi, pour que les choses soient simples, l'IP GPIO, qui permet donc de mettre en place des entrées, des sorties, et qui va permettre de manipuler, enfin d'exploiter les boutons poussoirs et de modifier l'état des LED qui se trouvent sur la carte ZIBO. Alors tout de suite, on va passer à la phase de programmation avec Xilinx Vivado. Et donc, eh bien, je vous propose de lancer le logiciel Vivado. Donc avec ce logiciel, je vais tout de suite créer un projet. Et ce projet, je vais le créer pour pouvoir cibler la carte ZIBO. Alors ça prend toujours un petit peu de temps à se lancer, hein. C'est un logiciel très lourd. Donc il s'agit de Vivado HLX, hein, puisqu'il existe également Vivado HLS, dont on parlera beaucoup plus tard. Donc je crée un projet. Ce projet, je vais le mettre dans mon dossier tuto. Et c'est donc un premier projet que je vais appeler projet GPIO. Alors, il s'agit d'un projet de type RTL. Donc, il s'agit d'implanter quelque chose dans la partie logique programmable. Le langage cible, alors ce sera toujours le même pour moi, ce sera le langage VHDL. Alors, ce n'est pas utile dans le cas présent. Simplement, quand on utilisera le wrapper HDL, c'est du VHDL qui va être généré. Nous n'ajoutons pas de contraintes. En revanche, on choisit une carte et cette carte, c'est la carte ZIBO. Voilà, donc là, on a lancé la création du projet. Et dans ce projet, on va maintenant dessiner un diagramme, ce qui correspond à un schéma qui exploite les modules IP disponibles dans Vivado. Donc pour ça, on utilise ici Create Block Diagram Design. Alors ce design, je vais lui donner un nom, projet GPIO, donc la même chose que notre projet. Vous remarquerez que chaque fois qu'on réalise quelque chose avec ce logiciel, c'est long. Bien, on obtient un diagramme vierge. Et on va maintenant tout de suite y ajouter un premier module de propriété intellectuelle. Vous pouvez voir la liste ici. Bon, il y en a beaucoup, hein. On ne va pas rentrer dans le détail des différents modules. On va choisir le processing system. Donc ce module IP de Processing System, c'est celui qui nous permet d'accéder aux deux cœurs ARM qui se trouvent donc dans notre Zinc. Il y a un processus qui permet de connecter automatiquement un certain nombre d'éléments sur cette partie Processing System.
et on va bien sûr lancer le processus en question. Donc ça permet de prendre en compte en fait tout ce qui a été défini par rapport à la carte ZIBO de façon à réaliser l'interconnexion par exemple avec la mémoire DDR. Ensuite, on ajoute un bloc de type AXI GPIO. Donc ça, c'est pour nos entrées-sorties. Donc le voici, ce module pour nos entrées-sorties. On va également le connecter de façon automatique. Pour ça, on sélectionne l'intégralité du module. Et pour ce qui concerne les ports à connecter, on va choisir les boutons poussoirs en entrée. Ce qui veut dire que cette connexion, elle va se faire toute seule, de par la définition du module AXI GPIO qui est disponible pour la carte ZIBO. Alors ce diagramme, il n'est pas très beau tel qu'il est là. On peut le régénérer pour obtenir une version plus claire. Ensuite, moi ce que je souhaite, c'est pouvoir également utiliser les LED pour répliquer l'état des boutons poussoirs. Donc on effectue un double clic sur le module. Et pour la partie GPIO 2, on choisit les LED. Bien, et on peut demander la connexion automatique justement des LED. Et comme ça, on voit apparaître un port supplémentaire pour la connexion vers les LED. Bien, je régénère le layout. Et en termes d'architecture matérielle, la description est terminée. Il s'agit maintenant donc d'enregistrer évidemment ce qu'on a réalisé, d'en réaliser la synthèse et ensuite l'implémentation dans le composant. Donc, Pour pouvoir faire ça, on a d'abord besoin d'obtenir l'équivalent VHDL ou HDL en général de notre diagramme. Pour ça, je vais donc sur le diagramme dans les fichiers sources et je vais choisir Create HDL Wrapper. Bien, alors ces warnings-là, on les voit apparaître de façon systématique. Ils disparaissent après. Bon, j'ai pas trouvé l'origine. En tout cas, c'est toujours vrai. Je pense que ça provient d'un problème de définition au niveau des caractéristiques pour la carte ZIBO et la mémoire. Si vous avez une solution, vous pouvez poster dans les commentaires, ça m'intéresse. Bien, donc là, on a obtenu le wrapper. C'est donc en fait l'équivalent de notre projet sous une forme VHDL qui peut être exploité pour réaliser l'étape de synthèse puis l'étape d'implémentation et enfin la génération du bitstream qui permettra de programmer toute la partie logique programmable. Donc on lance l'implémentation. Alors ça c'est une étape qui prend quelques minutes, donc durant ces quelques minutes je vais mettre en pause et je vous retrouve juste après. Alors après quelques minutes, on obtient donc le résultat de l'implémentation et on va tout de suite générer le bitstream. Je vous propose en même temps de voir le résultat de l'implémentation pendant que le bitstream va s'écrire. Il faut vraiment des machines musclées pour utiliser ce type de logiciel. Bon, et si possible, bien optimisé au niveau du refroidissement, parce que je pense que vous l'entendez, mon ordinateur n'est pas vraiment optimisé pour ça, et encore, je l'ai éloigné. Donc ici, on voit donc toute la structure interne de notre Zinc. Dans cette partie-là, on a de la logique programmable, ici également, et par là-bas, de la même façon. Et ici, on trouve la partie Processing System.
Donc dans la partie logique programmable, si on descend un petit peu, on va pouvoir zoomer. Ah, donc là, on a obtenu le bitstream. Hop. Et en zoomant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir apparaître les CLB dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente sur les INC. Donc ici, un CLB avec ces 8 bascules D en sortie, enfin ces 8 bascules en sortie puisqu'elles sont configurables, et 4 luttes à cet endroit-là. Donc je vous rappelle, le LUT, c'est ce qui permet de faire le calcul d'une équation logique à partir d'équation logique, c'est-à-dire sous une forme combinatoire, à partir d'un certain nombre d'entrées, on obtient une sortie combinatoire. Alors ici, sur ces LUT, on a même deux sorties combinatoires possibles. Et ces sorties combinatoires, on les utilise soit en les mémorisant dans une bascule, mais on peut également les exploiter sous une forme combinatoire et les envoyer ailleurs dans le composant. Donc voilà, juste pour avoir eu un petit aperçu de la partie donc logique programmable. Alors maintenant, puisqu'on a obtenu notre bitstream, et je vous rappelle, le bitstream, c'est ce qui permet de programmer le composant, de configurer toute la partie logique programmable, on va maintenant pouvoir exporter toute la partie matérielle, toute la définition du matériel et de l'architecture matérielle que nous avons réalisée. On va y inclure le bitstream. Et c'est cet export-là, pardon, qui va nous permettre, avec le kit de développement logiciel maintenant, de programmer en langage C la partie processing system, c'est-à-dire les cœurs ARM, et d'interagir avec la partie logique programmable que nous avons configurée à l'instant avec un IP GPIO. Donc ça, évidemment, ça va faire l'objet d'un autre projet, d'une autre vidéo, et je vous propose de retrouver donc ceci dans la prochaine vidéo à suivre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si le sujet vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné. La prochaine vidéo arrive aujourd'hui, elle va donc concerner, donc, je l'ai dit, la partie programmation en langage C des cœurs ARM pour interagir avec les boutons poussoirs et les LED de la carte ZeBo. Merci d'avoir suivi cette vidéo.